Mabjivé, qu'y a-t-il au menu de la saison 2, qui démarre sur M6 ce soir? Juste après la saison 1, M6 enchaîne la diffusion de la saison 2 de Mabjivé, actuellement en cours de diffusion aux États-Unis. M6 enchaîne sans transition, la saison 2 du reboot de Mabjivé, ce 16 mars 2018 à 21h. Cette nouvelle saison inédite est envoyée au front face à une très rude concurrence, Koh-Lanta le combat des héros sur TF1, et la saison 6 inédite de Kain sur France 2. Quelques points forts pour tenter de faire la différence. Équipe renforcée. L'équipe de Mabjivé s'étoffe avec l'arrivée de Samantha Cage, incarnée par la comédienne Isabelle Lucas, vue notamment dans Transformer la Revanche. Samantha Cage, agent de la CIA, va demander de l'aide aux héros avant de rejoindre à temps plein leur équipe dès la fin de l'épisode 1. Riley, triste mais, l'équipière de Mabjivé va aussi prendre du galon avec une mission, épisode 2, presque en solo. Mabjivé devra néanmoins intervenir, quand la jeune femme sera mise en danger par des hackers dangereux. Des guests dont un très spécial. A priori pas de nouveau crossover en vue. En fin de saison 1, Mabjivé avait croisé l'équipe de la série AOI 5-0. En revanche, le comédien Bruce Mabjivé, qui interprétait le personnage de Jacques Deltan dans le Mabjivé original, viendra faire une apparition amicale dans le 11e épisode de cette saison 2. Pas pour reprendre son personnage original, mais pour incarner un policier. À noter ici que la comédienne Ashley Tisdale, la star d'High School Musical, viendra, elle aussi, faire un tour de piste à mi-saison 2, pour incarner une ex-petite amie de Mabjivé. Recherche du père. La quête de Mabjivé pour trouver son père disparu, va s'intensifier cette saison. Enem mener le héros en France, épisode 5, et lui faire découvrir que certains, y compris dans son entourage le plus proche, en savent beaucoup plus sur le sujet qu'ils ne veulent l'admettre. Méchant toujours enragé. Murdoch, David Destmelchian, l'ennemi juré de Mabjivé, s'est évadé de prison en fin de saison 1. Il reviendra en invité sporadique, 3 épisodes en saison 2, pour donner du fil à retordre aux héros. Saison 3. CBS n'a toujours pas annoncé de renouvellement de Mabjivé pour une saison 3. La série qui avait démarré aux États-Unis avec des audiences confortables, presque 11 millions de téléspectateurs pour le pilote, a perdu en route beaucoup de monde. Outre-Atlantique, Mabjivé paraît s'être stabilisé aux environs de 6,5 millions de fans, sans doute pas assez pour que CBS renouvelle la série dont la saison 2 s'achèvera aux États-Unis fin avril 2018. On ne sait pas pour leur CMC qu'on diffusait l'intégralité de cette saison 2 d'un coup, au contraire, se ménager une pause en cours de saison, comme la chaîne le fait avec NCIS ou AOI 5-0.